Installez-vous confortablement. Il y a de l'ombre en fait. Ouais. On est pas mal installé, on a vu sur le lac. J'ai l'impression de faire un élevage de canards. On va faire ça tranquillement hein, parce que c'est l'après-midi. On aura tout le dimanche pour se remettre. Pour vous ce soir, Jérémy Tepper. Ouais. À la basse, Gilles Michel. Comme ça vous a été annoncé, nous aurons quelques considérations diverses et variées sur les mésaventures du monde depuis 150 ans. En musique évidemment, mais musique toute particulière, musique qui est portée par la voix, et pour ça il fallait une voix exceptionnelle et nous avons choisi celle de Mr. Michael Robinson. Merci, à tout à l'heure. Woke up this morning. Jump until daylight. Rock
rock and roll will never die. 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 Vous n'avez pas menti, c'est quand même une belle voix. Sérone ne vous manque pas. Ah non. Le beat. Mais c'est vrai, j'ai l'impression d'être à poil là. Quand on a fait la balance, tout à l'heure on avait un beat derrière. Ça habille forcément. J'ai fait une séance d'enregistrement pour Sérone il y a très longtemps, mais je pense qu'il ne s'en rappelle pas. Moi, je viens juste de m'en rappeler. Mais là n'est pas le sujet. Il se passe de drôles de choses, je ne sais pas si vous avez allumé la radio les 6 derniers mois. Mais le monde devient encore un peu plus fou tous les jours. On le savait. Voilà. Mais c'est pénible de se rendre compte qu'on avait raison. Il faut se méfier de tout. C'est hallucinant. Quand on se voit comme ça, réunis dans l'herbe l'après-midi, on se demande pourquoi les gens se tirent dessus.
Mais quoi qu'il en soit, la musique, en tout cas, a été un vecteur important de, je vais dire, de civilisation, entre guillemets. Pendant les 100 dernières années, en tout cas, ça a permis aux gens de mieux se connaître et éventuellement de s'intégrer de toutes les façons possibles et imaginables. Et ça sur des thèmes qui sont parfois des thèmes très anciens, comme le morceau qui vient, qui s'intitule « Will the circle be unbroken ?» c'est-à-dire « Est-ce que le cercle sera rompu ?» Et c'est une chanson qui date probablement presque du Moyen-Âge anglais, qui a fait plusieurs fois l'aller-retour sur l'Atlantique, et qui aujourd'hui est à Anguin. Si vous allez en vacances à Memphis, je vois pourquoi vous iriez en vacances à Memphis.
Enfin, un paysage comme celui-là. Enfin, au cas où, vous iriez en vacances à Memphis, c'est une terre de vibrations. C'est-à-dire qu'en quelques années, se sont croisés des gens comme B.B. King, Elvis Presley, Otis Redding. Et on ressent quand même des choses sur place. Et quand vous sortez de l'aéroport, vous louez une voiture, parce que c'est le seul moyen de se déplacer. C'est un sport très américain. Maintenant, c'est plutôt le tir, un truc. La voiture est importante. Et donc, vous roulez avec ce son de la radio FM américaine très particulière, un peu, vous savez, comme les vieux post-Grundig Telefunken qu'on avait dans les maisons avant, je parle pour les plus de 50 ans. Il n'y en a pas beaucoup. Et, il y avait un son très chaleureux comme ça, et on retrouve ce son dans les voitures américaines, c'est bizarre. Et à un moment, vous prenez le Elvis Presley Boulevard, puisque nous avons appelé Charles de Gaulle, ils ont le Elvis Presley Boulevard. Et si vous continuez le Elvis Presley Boulevard, vous tombez sur la route 61 et vous entrez dans le delta du Mississippi. Mississippi, where I come.
m'en fumer. De la diplomatie du ping-pong, ça me dit quelque chose. C'est un... En fait, il y avait deux blocs qui se parlaient pas avant, c'est plus comme ça maintenant. Ils n'arrivaient pas à se parler, et en fait, Richard Nixon, qui était un type plus intelligent qu'il en avait l'air, avait remarqué que les Chinois jouaient au ping-pong, et que les équipes américaines n'étaient pas mauvaises. Donc il avait envoyé des équipes de ping-pong pour embrayer, accrocher un petit dialogue comme ça. C'est une idée, peut-être. Je dis maintenant, ils ont changé de sport. Le tir implique moins de relations internes. Mais nous, on a la pétanque, par exemple. Pour avoir une diplomatie de la pétanque. Je parle de ça parce que, en fait, le morceau qui vient est un morceau de B.B. King. Et B.B. King a fait partie de cette démarche culturelle en direction du bloc soviétique, puisque c'était un des premiers Américains à jouer sur la place rouge. Et c'est une de ses plus belles chansons. Donc on va essayer de ne pas la massacrer. Yeah.
away from me. Well, the thrill is gone, babe. The thrill is gone away from me. Although you know you done me wrong, babe. The twin is gone. The twin is gone away for good. Well, the twin is gone, baby. The twin is gone away for good. Although you know you done me wrong, baby. Disappointment was my only fear.
L'intimité n'a plus tout à fait le même sens qu'auparavant, c'est-à-dire on veut cacher ce qu'on veut voir et montrer ce qu'on veut cacher. Enfin, c'est assez étrange. C'est peut-être lié aux réseaux sociaux, mais je ne pense pas. Je ne veux pas leur jeter l'opprobre. En tout cas, c'était déjà un sujet de chanson il y a quelques années déjà. Est-ce que cette chanson qui vient a été composée dans les années 60 et ça raconte ce qui se passe derrière les murs, les portes fermées. Baby makes me proud, but don't she? She makes me proud. Yes, she does. She's never far away, but too proud to say I love you. She's always like a lady, just like a lady. No, they don't.
She makes me smile. Yeah, she does. She's never far away. No too tired to say, I want you. Hey. She's always like a lady, just like a lady to be. Thank you.
through your heart, it will creep. It starts when you're always afraid. You step by the line, the man comes, it takes you away. But it's time to stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Come on, JJ, tell me what's going down. Michael Robinson. Gilles Michel. Jérémy Tepper. Jean-Jacques Lito. Give it up, y'all. Merci à vous. Merci à toute l'équipe du festival de nous avoir accueillis. Invité déjà et permis de vous rencontrer. Thank you.
you gotta hear what the people say. Don't you know something's going on around here? Thank you.
heureux. Open your eyes, oh can't you see the pure destruction of humanity? We reach the point, all zone is doomed. We better move. There's still a chance, there's still a time to save this planet from its demise. We reach the point, all zone is doomed. We better move. Oh.